Eh bien bonjour tout le monde, c'est LemicPad. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Zelda Tears of the Kingdom où nous allons essayer de fouiller un peu ça. On va essayer de fouiller un peu cet endroit là pour cette vidéo et puis peut-être la prochaine si on est vraiment... si on trouve vraiment des trucs intéressants ici et si on ne barre pas comme des merdes. C'est con de dire ça alors que je sais qu'on va crever comme des merdes. Mais bon. Attendez, déjà, petit truc que j'ai envie de faire. En fait, c'est chiant, il n'y a rien qui me donne vraiment 3 cœurs. Toi, tu donnes. Oula, non, que dalle. Toi, tu donnes. Que dalle aussi. Ouais non, bah vu que ça donne pas beaucoup, je pense qu'on va aller juste les garder pour de la boue. Ah ouais, on peut vraiment se faire de la thune là. Bon bah j'espère qu'on pourra choper d'autres trucs un peu rares. Ah putain. D'accord, donc là on tourne en rond. D'accord, c'est vraiment de la merde ce qu'on est en train de faire. Oh putain, quel con. Ah non, par contre là je pense qu'en allant tout droit... Ouais, en allant par là on va peut-être trouver un truc. Là c'est quoi ça? Ah ok, c'est rien d'intéressant malheureusement. Déjà juste cet endroit je le trouve bizarre, hein. Je m'attendrais à voir un boss à un moment donné. Ah oui c'est vrai, j'en avais mis quelques-uns ici. C'est vrai, j'ai été un peu visité dans les alentours là, mais il n'y avait rien de ouf, malheureusement. Du coup je m'étais dit que s'il y a des trucs ouf, bah je les garde un peu pour la vidéo. Oula. Oh putain, attends, du coup il y a combien là? Waouh. Ah ouais. Attendez, et toi, on va te prendre. Ouais non, c'est rien de fou. Par contre avec ça... Ah ouais, là c'est puissant. Putain. Bon du coup je disais quoi avant qu'on se fasse attaquer.
C'est quoi ces merdes? Non, ça va, il donne des graines humus. Par contre, c'est très rageant là que on n'a pas de vrai endroit à visiter en fait, parce que c'est juste un bloc pour tourner en rond. C'est de la merde. C'est nul, littéralement. Les esprits, faut vraiment que je regarde sur internet à quoi ça sert. Hein. C'est affreux. Alors. Oh, et puis merde, j'en ai marre. Allez, on a même pas été voir c'était quoi ce sanctuaire en plus. Allez, on va le faire. Et puis merde, hein, pour les souterrains, on les encule. Voilà, hein, je les merde. Ah, si on l'avait fait, mais il était trop casse-couille, c'est vrai. Ou alors, non, je m'en rappelle plus. Ou alors, j'ai dû le faire hors vidéo et je le trouvais trop casse-couille pour continuer. Il y a peut-être un peu de ça aussi. Attendez. Attends, juste Epona, où est-elle? D'accord, elle est sur la map. Donc, si on a de la chance, normalement, Epona ne devrait pas spawn. Du coup, où est l'amigo Link? Putain de merde. Faut vraiment que j'arrête de tourner des vidéos dans le noir. Moi, je vois que dalle à force. Yes, je l'ai. Parfait. Alors, monsieur Link, qu'est-ce que tu m'as donné? D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que je me suis acheté un autre amiibo Link qui devrait pas tarder à arriver quand moi je tourne la vidéo. Quand la vidéo est sortie, clairement, l'amiibo est arrivé. Pour l'instant, je vais quand même pas vous dire qui c'est, je vous le dirai au moment venu. C'est-à-dire dans longtemps, hein, en termes de vidéo. Bon, allez, à votre avis, il y a quoi? De la merde ou une tenue sympa? 3, 2, 1. Allez. Oh la honte. Oh, c'est de la merde. Attends une seconde, j'ai envie de tenter un truc. Ok. Non. Bah non, justement. Toi. Ah non. Voilà. Ouais, non, on peut pas. Bah, vu qu'ils ont la même puissance, hein, on s'en fout. Enfin, non, justement, on s'en fout pas comme ça. Moi, celui-là, on va pouvoir le mettre avec un truc. Quoi, je ne sais pas, mais on le mettra avec un truc. Mais bon, voilà. Oh, il y a un golem. Oh, non. Un gourdin militaire. Ah. Ok, bon là j'ai peur. Et merde, je voulais pas l'utiliser. Bon, tant pis, vous savez quoi? Allez, il me casse trop les couilles. Du coup, on va faire ça. On va prendre encore à bouffer. Attends, mais ça augmente pas les cœurs? Ça donne juste de l'attaque, sérieux? C'est sympa, c'est intéressant. Voilà.
Putain de sa mère. Ça c'est quoi ça? Pour voir. Mais merde! Bon bah tant pis, il est tombé à l'eau. Tu me diras, ça nous fera toujours une arme à lancer. Hein. Ok, on va utiliser quoi? Oh, allez, un petit gourdin militaire. Ah, il est tombé à la flotte. Quel trou du cul. Voilà, on est tranquille. Oh putain. Oh putain, la viande. Attends-moi, petite viande. Miam. Oh ouais, putain, ouais. Ah, faut que je me prenne l'ami Bowling Clou pour en avoir autant. Oh. Non, sincèrement, faut que je me prenne l'ami Bowling Clou à un moment donné. Hein. Faudrait que je pense à l'acheter. Il faudrait que je pense à le trouver pour pas cher aussi. Bah, bah comme ça au moins je me ferai pas enculer. Enfin un petit peu quand même. Parce que le voir toujours à 25 euros, je trouve que c'est cher quoi. Oh. On a déjà pris en photo le noir? Non. Voilà, beaucoup blanc noir. Il est très dangereux. Ok, attends deux secondes. Si on utilise ça avec... Beaucoup blanc. Monsieur Beaucoup blanc. Eh ben ça ne le tue pas. Hein. Oh. Dans quoi? Ah, je lui ai lancé une corne de Pocoblin dans la gueule en plus. Merde, je savais pas. Enfin, je n'ai pas fait attention en tout cas. Non. Du coup, est-ce qu'on peut dire que c'était un CSC? Oh, un peu, je crois. Oh. Viens là, enculé. Ah, ah. Et merde, il a des spawns. Oula, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon. Hop. Hop. Ah. Oh, une grotte. Nouveau. Grotte est du lac d'Écosse. Des sauces, pardon. Ah merde, celui-là. Ouf. Ah bah là. Bon, qu'est-ce que tu as à me donner, monsieur? Oh, intéressant. Waouh. Je vais faire un petit truc avant.
ça, toi. Ah bah merde, c'est les mêmes du coup. Oh. Bah alors casse-toi, toi. Bah non, merde. Bon bah toi, casse-toi alors. Oh putain, j'ai eu peur de le reprendre. Oui. Du coup, ça veut dire qu'on est dans le territoire Zora. Nous y sommes. Ouf. Merde. Oh, des graines. C'était sûr, putain, je voulais me soigner en plus. Fais chier. Ah. Putain, je suis enrhumé. Mais... Nier. Ah, un jugement. Je savais pas qu'on pouvait prendre ça en photo, mais allez, hein. D'accord. Et merde encore. Oh bah lui, une balle dans la tête, ça lui a suffi. Enfin, une flèche. Une flèche. Je suis trop habitué à des jeux avec des armes, putain. Ah, j'ai trop joué à Mafia. Ça doit être ça. Et surtout à GTA. Voilà. Non mais... Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouh, c'était sale. Intéressant, mais risqué quand même. Oh putain de merde! Lui, on l'utilise pas maintenant, il est trop puissant. De l'attaque niveau 2. Oh putain, je sais même pas comment on l'a fait, mais on a réussi sa mère. Allez, meurs, enculé de batte. Oh, un coup. Ah, c'est marrant, on voit son cul. Hop. Espèce de bâtard. Attends, par contre, là, ce qui... Ah ouais, le chef Boclo. Ouh, putain, ça donne de la puissance, hein. Plus 16, waouh, waouh, ouh. Je sais, il y en a qu'on doit sauver, mais... Attendez un peu, merde. Et moi qui m'attendais à perdre, honnêtement. Ah, ça fait du bien de gagner. Mmh. Ouais, voilà, comme ça, après un petit amalgame avec ça... Et là, paf, un cristal de sel.
Je le fais sortir comment, lui? Mais connard, je... Non, sérieusement, je fais comment? Bon, ok. Ne bouge pas, ça va bien se passer, mon pote. Non, mais sérieusement, je dois faire quoi, là, pour le tuer? Oh! Ah, ok, non. Ok, c'est... Désolé, c'est juste moi qui est trop con. Ah, putain, quel connard. Sauvé, enfin! J'ai bien cru que personne viendrait me sauver. Comment je me suis retrouvé ici? C'est une longue histoire. Tout commence avec la lune de sang, ce phénomène étrange et tristement célèbre. Difficile de dire quand exactement, mais certaines nuits, quelle que soit la phase lunaire, une pleine lune rouge se lève. Lorsque minuit sonne, le ciel se couvre et vire au pourpre. Enfin, il vire au rouge plutôt, mais bon. Et soudain, tous les monstres vaincus se relèvent, réanimés par la lune de sang. Alors j'étudie le phénomène dans l'espoir de mieux le comprendre un jour. Oh oui, un jour j'éluciderai ce mystère. Pourquoi les monstres sont-ils réanimés à chaque lune de sang? Quel est le lien qui les unit? Pour le savoir, j'ai décidé d'observer les monstres et leur comportement. Cela me semblait être un bon point de départ. Mais ils m'ont rapidement repéré, me suis tombé dessus avant que je ne puisse m'enfuir. Voilà pour toi, pour te remercier de m'avoir sauvé. Si, j'insiste. Oh, ça ne te suffit pas, alors en voilà un autre. Merci. Non, ça ne suffit pas à exprimer ce que j'en ressens. Prends ça aussi. Ce soir, c'est la lune croissante. On perpétue l'expansion, plus rien ne l'arrête. Je ne doute pas que nous nous reverrons pour l'heure. Séparons-nous avant d'être repérés par un monstre. Vous pariez combien on va devoir le sauver et à chaque fois qu'on le sauvera, ça nous donnera de la boue. Enfin, en vrai, moi, je vais pas crier, hein. Je vais pas hurler si c'est ça. Tant mieux, même. Eh merde. Allez, merde, vieux bâtard de connard des merda. Putain de taras. Aïe. Aïe. Ah merde, c'est... J'avais pas fait attention. Bon. Oh putain. C'est pas fini. Tiens, attendez, est-ce que je les ai déjà pris en photo, ça? Noix de coco, oui. Et les pommes aussi. Bon, bah allez, hop. Vous venez avec moi, vous? Non, ça, c'est pour les gorons. Ah, oh, tiens. Attends, merde. Oh putain, le con, non. Non, mauvais côté. Bah oui, c'est par là qu'il faut partir. Quel connard. Ah, je disais, quel connard. Non, des fruits de glace. Non, je les ai perdus à cause de la fourmette d'enculé des fils de pute. Oh putain, j'ai plus de vie. Ouais, c'est peut-être bien ça. Eh ben, on en a enfin fini avec toute cette merde. Bon, j'imagine qu'on a peut-être éventuellement un tout petit coffre au sommet. Ce serait une bonne chose. Et merde. Aïe.
haut. Allez, donne-moi le poisson, connard. Putain, sérieux, on peut même faire ça avec de la boue. Vous êtes vraiment des enculés, vous le savez, j'espère. Tout ça pour ça. Je suis monté au sommet, j'ai combattu des ennemis pour ça, quoi. Pour au final me rendre compte que faut utiliser l'échelle ici. Bon. Pourquoi je ne peux pas monter dessus? Le jeu, je vais te niquer ta sœur. Hein. C'est-à-dire Breath of the Wild. Hop. Ah, bah il y avait même pas de coffre. Oh. Oh. Eh bah putain, je l'aurais pas cru là. Hein. Ah, qu'est-ce que j'aime bien être curieux. Oh, attendez, on va en prendre quelques-unes. Bon, en tout cas, lui, on s'en occupera dans la prochaine vidéo, ça c'est sûr. Du coup, eh bien, ouais. On va prendre un peu de graines de mousse, voilà. Ouais. Bon, du coup, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et surtout à vous abonner sur ce site, c'était Lemmy Koopa. Et puis moi, je vous dis au revoir tout le monde.